Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu, quelle ambiance mise hier par les supporters toulousains à Liverpool, exceptionnelle atmosphère même si malheureusement ça n'aura pas suffi pour les violets largement battus 5-1 sur la pelouse d'Anfield. Toulouse n'aura rien pu faire face à la bande d'un Mohamed Salah pourtant remplaçant hier, mais quand même buteur et il est rentré dans l'histoire en devenant le joueur qui a inscrit le plus de buts en compétition européenne pour un club anglais. 43 buts, bravo à Mohamed Salah, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était l'absence d'Ibou Konaté de la feuille de match de Liverpool. Alors, blessure ou pas ? Jürgen Klopp a répondu après la rencontre avec un petit message d'amour pour un certain Didier Deschamps. The problem is Ibo had injury problems from time to time and Mr. Deschamps played him 90 and 87 minutes in the two games. Tell Mr. Deschamps that's how you rest the player, not 3 minutes, no, full 90. Le message est passé, ça c'est fait et du coup ça nous intéresse. Question du jour les amis, est-ce que Jürgen Klopp a raison de critiquer Didier Deschamps? Est-ce que pour vous un sélectionneur doit prendre en compte l'accumulation des matchs en club ou alors non? Il est sélectionneur, tout ce qui l'intéresse lui c'est la sélection et donc de donner du rythme à ses joueurs. Dites-nous tout, de commentaires sélectionnés lundi. Et si Toulouse a perdu malheureusement hier soir, pour le reste ça a été carton plein pour nos clubs français. Victoire de Rennes 2-1 sur la pelouse du Panathinaikos, pendant que le LOSC s'est difficilement sorti du piège du Slovan Bratislava sur le même score en Conference League. Et saluons aussi le succès 3-1 de l'OM au Vélodrome face à l'AEK Athènes, les Olympiens qui remontent à la première place de leur poule. Et on a vu de belles images entre les supporters des deux équipes avant la rencontre, notamment dans les rues de Marseille où les deux groupes de supporters ont paradé ensemble. Et ensuite, on a pu voir ce superbe tifo dans le virage du Vélodrome. Et ça, Gennaro Gattuso, bah, ça l'a forcément beaucoup touché. Et nous, on est assez d'accord avec lui d'ailleurs. On veut voir plus d'images comme ça dans le monde d'aujourd'hui. Sembra che voglio fare il santo, ma per il mondo che stiamo vivendo io penso che sarebbe bello rivedere molto di più di quello che abbiamo visto oggi in tanti stadi. Et dans le reste de l'actu, petite histoire mais qui fait grand bruit en Angleterre à cause de ce tweet de Garnacho après le pénalty arrêté par Onana en Ligue des Champions. Le jeune mancunien l'a rapidement supprimé, mais ça a suffi à déclencher une polémique sur un potentiel caractère raciste à cause des emojis gorilles. Et cela, ça pourrait lui valoir même une suspension. Mais rapidement, Onana a pris la parole dans sa story Instagram pour défendre son jeune coéquipier. Les gens ne peuvent pas choisir par quoi je dois être offensé. Je sais exactement ce que Garnacho a voulu dire. Puissance et force, cette affaire ne doit pas aller plus loin. Ça a le mérite d'être clair, on verra désormais si des sanctions seront prises envers Garnacho, mais en interne, en tout cas, l'affaire est close. Et en parlant d'affaires, Michel Derzakarian, l'entraîneur montpelliérain, était aujourd'hui en conférence de presse et est forcément revenu sur l'altercation avec Mamadou Sakho de la semaine dans le vestiaire montpelliérain. Et l'entraîneur a été clair, on en fait trop, beaucoup. Même. Oui, je me sens bien, ça va mieux aujourd'hui. Ça rien passé la vestiaire. Ça, c'est, il y a eu un petit accrochage, c'est tout. Ouais, après on en rajoute beaucoup. On sort des trucs qui n'existent pas. Si vous voulez des renseignements, vous appelez Jérôme Moreten et Guillemet. Ils vont vous dire les choses. Hier, on vous parlait du grand match de Warren Zaïre-Emery face au Milan AC et on parlait pourquoi pas d'une potentielle arrivée en équipe de France. Et bien, l'équipe en parle aujourd'hui dans son quotidien. Didier Deschamps penserait de plus en plus à sélectionner le jeune Parisien dès le prochain rassemblement au mois de novembre. Et ça tombe bien, on vous demandait hier si vous pensiez que Warren Zaïre-Emery allait jouer l'Euro cet été avec les Bleus. Silverhall, toi, t'es catégorique. S'il reste constant toute la saison, il doit le jouer, il est juste trop fort. Toi, Alarax, t'es un tout petit peu plus sceptique. Il y a déjà de la concurrence au milieu, mais bon, tout peut arriver. Et oui, t'as bien raison. Rendez-vous en juin pour la réponse finale. Et avant de se quitter, tenez, on va jeter un œil sur le gros programme foot
de ce week-end, parce que oui, les amis, spoiler, ne prévoyez rien du tout, parce qu'on va se régaler, et ça commence dès samedi, 16h15, classico entre le Real et le Barça, toujours un régal, avant de passer à un autre choc, dimanche, Manchester United, Manchester City, et puis on finit en beauté, dans notre bonne vieille Ligue 1, dimanche soir, Olympico, Marseille-Lyon, c'est à ne rater sous aucun prétexte, dites-nous en commentaire ce que vous allez regarder d'ailleurs, et nous, bah voilà, c'est déjà fini la quotidienne, parce qu'il faut qu'on bouge, on a un week-end foot à préparer, n'oubliez pas, dimanche matin, 11h, téléfoot sur TF1, et on va se quitter d'ailleurs avec un petit extrait de l'interview de Mathis Tell, que vous retrouverez dans téléfoot, voilà, c'est cadeau, bon week-end à tous, ciao. J'ai en face de moi un joueur précis mais pas pressé. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ma devise que j'utilise depuis déjà un certain moment. Vous marquez un but toutes les 49 minutes, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. D'autant plus que je joue pas énormément, donc quand j'ai l'occasion, bah, j'essaie de la mettre ou d'assister pour un joueur. Du coup voilà, aujourd'hui, bah, je suis très content d'avoir ce genre de statistiques en début de saison. Le score, j'aime, pas notre façon de jouer. Qu'est-ce que ça représente, l'équipe de France à vos yeux? Bah, ça représente grand, c'est un objectif, c'est sûr. Après, on le sait tous, ça passera par mes performances en club. Mais c'est dans un coin de ma tête, c'est là. Mais ça viendra quand ça viendra.